Mais comme on dit, pour reprendre un dicton, à toute chose malheur est bon. 2007, annulation de la Transjurassienne, ski. Et sur cette annulation, on s'est dit il faut absolument rebondir, on ne peut pas jouer sur un non-événement. Et que voilà, le trail étant une pratique sportive été, on s'est dit on va faire une organisation dans le même esprit Transju. Les applaudissements, s'il vous plaît. On était dans l'idée d'utiliser un peu le même parcours. Et là, on a dû changer notre tactique parce que à chaque pratique sportive, ça, son relief et son style. Le Jura est un massif vallonné, plutôt roulant pour les trailers, mais quand même avec un certain nombre de dénivelés. Quand on cherche des beaux paysages, on a un certain nombre de belvédères, donc il faut souvent beaucoup y monter pour y aller. On redescend derrière. C'est super condition, mais c'est dur avec le chaud, je crois. Il paraît que le plus dur est à venir, mais c'est déjà pas mal, là. On va boire un bon coup, on va s'arroser la tronche et après on va pouvoir repartir. Un des belvédères vraiment fantastiques sur les montagnes du Jura, c'est le belvédère qu'offre le sommet de la Dole, avec une vue magnifique sur l'ensemble de la chaîne alpine. Le niveau était plus relevé chez les hommes comme chez les dames. Mais participation record, puisqu'on a sur le Transju Trail 72 km, doublé la participation féminine. Il faut savoir se renouveler en termes de tracé et aussi offrir un maximum de possibilités d'expression avec différentes distances. Et justement, l'année prochaine, dans les projets, c'est encore un projet, on va rallonger la longue distance sur un 80 km, donc ultra trail, et puis offrir aussi en alternative une version relais de 2 à 2, et puis aussi une version courte pour les accompagnants, un 10 km. Les coureurs qui viennent de loin nous disent souvent sous la Transjurassienne, on retrouve une ambiance comme nulle part ailleurs. Et c'est grâce aux spectateurs qui sont tout au long du tracé, l'âme jurassienne, l'âme nordique qu'on voit dans le ski de fond, on la retrouve maintenant sur la pratique du trail. Et c'est ça l'esprit Transju. Il faisait très chaud, des conditions très difficiles. Première grosse course pour moi sous la chaleur. Mais ouais, une course solide et puis je pense qu'il servira, qu'il servira de support pour la fin de préparation pour la Western. Bon, je me devais de venir quoi. Je m'en suis pas trop mal sorti, donc avec la chaleur était très écrasante et très difficile à supporter quoi. Quand le soleil tape sur la tête, c'est vrai que tout de suite il suffit de lâcher un petit peu prise au niveau de la tête et puis voilà quoi, la différence se fait quoi. Dès le départ, ça partait assez vite, et donc j'ai pas laissé partir trop. J'ai pas ralenti, je veux dire. Et puis au fur et à mesure, j'ai continué à mon rythme pour garder 3e place. Donc super content.